Salut à tous, vous êtes avec le Poneja. On se retrouve aujourd'hui pour du Secret World Legend. Alors on nous propose Illuminati, Templier ou Dragon. Donc les Illuminati, Sex, Drug et Rockefeller. Les Templiers, nous délivrer du mal. Ou les Dragons, l'art du chaos. J'hésite entre Illuminati ou Dragon. Parce que l'art du chaos me tente bien. Non, on va partir sur Illuminati. Le sex, drug, ça me plaît bien. Alors, la création perso. Ok, donc on a un truc. On va faire un homme déjà. On a un truc plutôt complet. On va attendre que ça charge. Le chargement est extrêmement. Celui-là est pas trop mal, allez. Coupe de cheveux. Ouais. Ça, je pense que c'est ce qui se rapproche le plus, mais... Mon dieu, Starer. Ah, j'ai limite envie de mettre ça juste pour le fun, mais... Non, 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 c'est vraiment affreux. Non, non, c'est trop affreux. Désolé hein, pour ceux qui ont vraiment cette coupe, mais... Non, on va partir là-dessus. Sourcils, ça fait méchant dans les films, ça. On va pas lui mettre des sourcils de méchant de film, on veut faire quelqu'un de sympathique. Les yeux, c'est déjà en noir. Ça, c'est quoi? D'accord, ça, c'est pour pouvoir faire un crasseux ou un tatoué de la tronche. Donc, ouais. Oh, il y a de la beubare. Oh, ouais, de la beubare, c'est cool. Ouais, ça c'est parfait. Alors, maquillage, je vous propose quoi? Ça c'est mignon, ça, c'est cute. Ouais. Ouais, bon. Ouais, non. Non, je pense qu'on va rester là-dessus. Alors, les vêtements, est-ce qu'on peut trouver un truc à peu près sympa? Ça fait citer, genre... On va peut-être pas en faire un dealer. Mon dieu, c'est net. Est-ce qu'on a mis simple ou est-ce qu'on y trouve un truc un peu classe, sympa? Non, je pense qu'on va partir sur du simple. Après, de toute façon, on doit pouvoir changer à... En cours de jeu, je pense. Donc, ouais, non, on va clairement partir sur du simple. Donc, on va lui mettre un petit t-shirt noir, genre tranquille, bébouze. Ah, des vestes, des vestes. Ah, j'aime bien celle-là, mais ça va pas du tout avec le t-shirt. Non, ça bof. Celle-là est pas mal, mais ça fait grand froid, genre. C'est bien qu'on est en hiver, mais bon, faut pas abuser. Ouais, non. On va le laisser en t-shirt. Alors, est-ce qu'on a un petit jean sympa? Attends, celui-là, le jean noir, il est pas mal. Chaussures, chaussures, chaussures. Classe. Ouais, bon, ça. On va l'habiller comme ça, genre classique, simple. Ok, ok, bon bah parfait. Alors ça, c'est nos classes. Donc le ravageur, ça a l'air d'être clairement un soigneur. Ok, du DPS.
Assassin, ça a l'air pas mal. Mercenaire, d'accord, c'est du soigneur aussi. Punisher avec un rôle de survie. Ça doit être l'équivalent d'un berserker, je pense. Sorceleur. Ouais, ok, c'est une classe magique soigneur. Pistolero. Oh, ça a l'air pas mal ça. C'est du DPS, ça a l'air plutôt sympa. Mage. Ouais, mage, je suis pas fan de toute façon de toutes les classes magiques. Démolisseur. D'accord, démolisseur, c'est clairement entre l'assassin et le mercenaire. Ah, quoique, si, j'ai une idée. Si, si, j'ai clairement une idée. Alors, à partir de maintenant, on va s'appeler Marcel Dupont. Non, Dupont. Hop, Dupont. Dupont, D-U-P-O-N-T. Hop. Ah, merde, poney, j'ai déjà pris. Bon, on va mettre le poney. Hop, et voilà. Je vous présente donc Marcel le poney Dupont. Et c'est parti. Il y a une semaine, donc on est clairement sur un flashback, hein. Oh non. Ok, parfait. Sois témoin de la fin des temps. Sois témoin de l'avènement d'un nouvel âge. Tu accéderas au trône ou tu m'en diras. Tu pourras tout perdre ou tutoyer les dieux. Wow. Être notre allié ou nous affronter. Le choix t'appartient. Ok, donc clairement la bouche ça fait un bad trip quoi. A priori elle est mal passée en plus. Maintenant on le saura, ne pas gober les mouches. Genre les mouches c'est dangereux. Il y a 4 jours. D'accord, donc on switch de bague de... Genre on fait du voyage dans le temps, quoi. On a du flashback sur flashback. Ah oui, clairement la bouche c'était pas une bonne idée. C'est comme ça qu'on aurait dû l'appeler. Super Marcel.
chargement. Je pense que j'en couperai une partie parce que sinon ça va me faire des vidéos de 3 heures. J'ai pas confiance d'aller vers les gens que je ne connais pas vraiment. Elle m'a toujours dit de pas parler aux gens que je connais pas. Tu seras balayé. D'accord, donc clairement ma baraque en fait donne sur un cimetière. C'est plutôt sympa. C'est original. Le réveil des morts, phase 1. Vous êtes éveillé dans votre chambre qui a été transportée dans un petit cimetière. Essayez d'en apprendre davantage sur ce rêve. Vous n'arrivez pas à sortir. Ok. Bah, plus vite, attends, plus vite de quoi? J'y sais, ok. Oh, prendre des armes, c'est cool. Donc, j'arrive dans un cimetière, on file des armes. Waouh, t'as pas l'air très bien, toi. Est-ce que je peux faire quelque chose? Non, je peux rien faire pour toi. Ok. Ah oui, d'accord, appuyer sur I pour... Les morts reviennent à l'appel du chant de sirène. Basic abilities are as effortless as breathing, but power abilities draw upon the reservoir of energy. De bien prêter aux voix, attention aux voix, mais de l'autre côté on me dit méfie-toi-en quand même. You must learn focus and control. The watchers will intervene only in dreams and only once. Every weapon becomes a unique focus for your abilities. Power swirls in the chamber of the pistol. A roulette of chaos and carnage at your fingertips. Spécificité des pistolets. Ok, les deux barrières de vos pistolets tournent lorsque vous tirez. Si les couleurs du haut correspondent, vous gagnez une augmentation de dégâts. Ok, ok. Ok. The Rakshasa have also come to heed the song. Have pity, but spare them your mercy. They will watch their food. Nous savons du rêve. The dead rise. Ok, cool. C'est sympa comme comme façon d'annoncer les choses. Putain, j'ai pas le temps de lire la suite. Ok. C'est que vous. Tout le monde est mort.
bah ça va être un gros morceau ça. Je faisais depuis le début en fait sans savoir ce que c'était. Enfin sans savoir. Je me doutais que ça avait un rapport avec s'enfuir, etc. Mais placer la clé levier. Tu as disparu. D'accord, maintenant t'as vraiment ralenti. Des pièces d'armure, je pense. On va utiliser le levier. Oh, sympa. Make the right choices. D'accord, les deux me disent fais les bons choix. Est-ce que sauter dans un trou au milieu de nulle part c'est un bon choix? Sans savoir ce qu'il y a en dessous, surtout. J'ai un doute du coup. Ça avait l'air d'être le bon choix. Ok. C'est pas le choix que j'aurais fait honnêtement. Mais bon, a priori, c'était le bon choix. Interrogatoire. Fighting eternal darkness is a fool's errand. La sagesse est la seule lumière capable de chasser l'obscurité. Ok, c'est très philosophique. Tu me proposes une mission. Vous vous retrouvez dans un couloir sombre et oublié. Impossible de savoir où conduit le passage. Cherchez des indices autour. D'accord. The torch, child. La torche. We speak in metaphors because alien minds cannot decipher them. D'accord. Your path will be equally puzzling. Donc ça passe de très philosophique à un truc. Wisdom must be your torch. Ok. Ok, d'accord, donc il y a des bilboquets un peu de partout. Ah, est-ce que c'est pas faux juste que je marche sur les bilboquets? Donc j'active tous les bilboquets. On va essayer d'activer tous les bilboquets égyptiens et puis on verra bien. Et là-bas, tac, est-ce que je les ai tous? Non, il m'en manque encore. Bon, je suis passé. Ça. Ok. D'accord, Elo qui me dit tu fais partie des élus, mais tes choix devront être les bons. Ok. Donc en gros, je fais mes propres choix, mais faut pas que je me plante sur mes choix. Dans le noir là dans ce truc là.
même si je pense pas que ma torche change grand chose, mais on va dire que ça me rassure. Qu'est-ce que je peux prendre? Allez, prends la torche. Prends la torche. Merci. Alors, du coup. Ah mais attends, on a des trucs là. Ah mais il y a des bokeh. Courant, bokeh, courant, ok. Donc en fait c'est clairement les jeux égyptiens. Un rêve, mais par contre la déco ça laisse à désirer. Ah, encore un trou. Faut que je saute dans le trou, c'est ça. Dis-moi, faut que je saute dans le trou. Pas très bavard. En arrière, j'ai quoi? Non, j'ai rien. Donc, ouais, de toute façon, j'ai pas bien d'autre choix que de. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout cassé. Non, c'est bon. Donc, ouais, j'ai pas trop d'autre choix que de sauter dans le trou. Et là on m'annonce que... Oups, perdu. Non, ça avait l'air d'être ça. Ok, donc en gros, si on résume, à chaque fois qu'on voit un trou, faut sauter dedans. Ah, sympathique. Des livres, des crânes, et du sang. They are the cats prowling at the walls of reality. You are the mouse. Tandis que toi, tu es la souris. It is best to remain unseen. D'accord. Je suis donc une souris pour toi, ni plus ni moins. Sympa.